Bonjour, bonjour les amis. Vous le savez déjà, se nourrir convenablement quand on le souhaite et comme on le souhaite est un besoin régulier de tout un chacun. Parmi les produits qui ont franchi le cap de la consommation quotidienne de grande quantité, on a le lait et ses dérivés. Le lait est un produit aux multiples applications industrielles. Biscuiterie, confiserie, boulangerie, pâtisserie. Parmi les formes commerciales du lait, les plus visibles par le consommateur, on a le lait infantile, disponible en carton, comme ceci, contenu à l'intérieur dans un sachet de polypropylène métallisé. Il est également disponible en boîte métallique, comme ceci. Et on a également du lait concentré sucré et du lait concentré non sucré. On a également du yaourt. Très apprécié des enfants, on distingue plusieurs goûts. On a du yaourt nature, lait sucré, du yaourt nature, comme ceci. On a du yaourt nature. On a également du yaourt aromatisé à la vanille. Là, on a un yaourt aromatisé à la vanille. On a également du yaourt fruité, ici, c'est du yaourt à l'ananas, contenu dans une boîte de PEHD, polyéthylène haute densité, enveloppée d'une enveloppe plastique de polypropylène. De même ici, on a du yaourt à la banane, contenu dans une boîte de PEHD, polyéthylène haute densité, enveloppé d'un film plastique de polypropylène. On a également des yaourts fruités dans des pots en polypropylène. Ceci, on a du yaourt fruité, c'est un pot de polypropylène, l'emballage. De même, yaourt fruité à l'orange, à l'abricot, à la mangue. Ici, ça c'est un yaourt à la fraise. C'est un pot de polypropylène. On a également du yaourt en compote, comme ceci. Ce sont des sachets de polyéthylène basse densité. Là, des yaourts contenus dans des sachets de polyéthylène basse densité. Très apprécié des enfants. Tu mets ça dans le sac de ton enfant. Il va jouer toute la journée parce que il a son yaourt dans le sac. On a également du lait en poudre. C'est du lait entier en poudre, contenu dans un sachet. Ici, petit modèle. On a un sachet grand modèle. Du lait entier en poudre. On a également du lait écrémé en poudre, contenu dans cette boîte. Il y a une différence entre lait entier en poudre et lait écrémé en poudre. Nous avons également du lait demi-écrémé en poudre ou liquide contenu dans cette boîte en carton qu'on appelle encore brique alimentaire. C'est du lait demi-écrémé. On a du lait demi-écrémé liquide
contenu dans cette brique alimentée. On a également du lait demi-écrémé contenu dans une boîte de PEHD, polyéthylène haute densité. Là. Là, c'est du lait aromatisé au chocolat. Quelle est donc la différence entre lait entier, lait écrémé et lait demi-écrémé? La différence entre ces trois variantes de lait réside dans le pourcentage de matière grasse. Le lait écrémé est dépourvu de matière grasse, tandis que le lait demi-écrémé contient des matières grasses, mais en faible pourcentage par rapport au lait entier. Parmi les dérivés du lait, on compte de la crème, ici la crème glacée, ice cream, contenue dans un pot de polypropylène. On compte également du fromage, ici la vache qui rit. On compte également du beurre obtenu par un procédé d'écrémage-barattage. Il y a également d'autres dérivés du lait, tels que le lactosérum et le lactose, très utilisés en biscuiterie. Arrêtons-nous un instant sur ce produit, le beurre. Le beurre est une matière grasse issue du lait de vache. Il existe une autre matière grasse qui est plutôt d'origine végétale. Il s'agit de la margarine. La margarine. Sur le marché, ces deux produits sont concurrents. Le beurre d'origine animale, c'est-à-dire du lait de vache, et la margarine d'origine végétale issue de la production d'huile végétale, huile de palme, huile de colza, etc. Ce sont donc deux matières grasses. Quelle est donc la différence entre les deux? Je vous laisse le soin d'aller chercher. Tous ces produits que je viens de citer, lait entier en poudre, lait écrémé, lait demi-écrémé, yaourt, etc. sont d'origine animale, principalement du lait de vache. Mais on peut également trouver du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait de bœuf et du lait d'origine végétale. Du lait d'origine végétale, ici c'est du lait d'avoine. Le lait d'origine végétale est obtenu par un procédé industriel qu'on appelle le cracking, qui décompose la matière végétale en ses différents constituants. Parmi les laits végétaux les plus en vue, on a le lait d'avoine, le lait de soja, le lait d'amande, le lait de riz. Comment être un entrepreneur à succès dans cette industrie laitière? Abonnez-vous à nos cafés du matin et nous allons vous accompagner vers le succès dans cette industrie.